J'ai un nouveau locataire. Tu iras ouvrir les volets en bas et faire un peu de ménage. Tu ne manques de rien, au moins. De temps, ma mère. Le ménage me prend tout. Et là-dedans, tout va bien, Séraphine? Tu es sûre? Et nous serions très honorés qu'un critique et marchand d'art de votre envergure accepte de se joindre à nous. C'est comme tous ces enragés qui peignent comme des gamins de 6 ans. Il paraît que ça se vend. Qu'en pensez-vous, monsieur Wood? Je peux savoir qui a peint ça? Séraphine, votre femme de ménage, enfin la nôtre. Elle travaillait au couvent à côté quand son ange gardien lui est apparu et lui a ordonné de se mettre à la peinture. Je vous l'achète. Vous en avez d'autres? Je veux les voir tout de suite. C'est curieux, cette matière. Ce rouge, par exemple, c'est quoi? J'ai mes petits secrets. Vous n'allez pas passer votre vie à faire le ménage, alors que vous avez le lard dans les mains. Monsieur se moque. Ah non, non. Ne vous souciez plus jamais de ce que disent les autres. Ils n'y connaissent rien. Quand moi je suis trop triste, je vais dans la campagne et là je touche les arbres. Je parle aux oiseaux et ça passe. Vous êtes doué. Mais il va falloir travailler beaucoup. Ça ne vous plaît pas? Encore plus ceux comme cela. Je vous expose à Paris. Moi, Séraphinouille, je porte du taffetas. Et faites aussi quelque chose pour mon ami. Vous qui avez été l'un des premiers acheteurs de Picasso et de Braque, pourquoi ne pas se tourner vers des valeurs plus sûres? Je ne collectionne pas pour vendre, mes Bourdet. Je vends pour collectionner. Vous n'aimez plus ma peinture et vous n'osez pas me le dire. Ne me parlez pas sur ces temps. Comment vous croyez qu'on me parle à moi depuis que je suis née? Tu es sûre que c'est ton ange gardien qui conduit ta main, Séraphine? Plus que jamais, ma mère. Cela m'a été dicté. Un ordre venu d'en haut. Vous avez déjà été amoureuse? Quand on fait de la peinture, mademoiselle.